Ok, du coup, Inner contre Orizai, Gamma Watch contre Orizai, Gamma Watch contre Orizai. Inner qui a joué. Je vais donner plus de Inner. Je vais voir si ça m'énerve par le frein. Ah non! Désolé, ouais. Ok, reprise du match. Du coup, j'ai mon watch contre Snake. Bien, ouais, je vais frapper le frein. Mon watch contre Radiator pour ce que c'est dès qu'il se prend en faire, c'est pas mal. Beaucoup d'aériens et très peu de joueurs sur le top. Bien, j'ai utilisé un autre attaque qui me semble aussi. Parce que Gamewatch commence à partir à 30% de Gamewatch à 80. Gamewatch va sûrement essayer de mettre des flashs pour clear, mais c'est à faire pour prendre des dégâts, mais c'est pas vraiment possible. Gamewatch va sûrement lancer des flashs qui est bon pour lancer des dégâts, mais c'est pas vraiment possible. Un bon avantage pour Inner qui va pouvoir sûrement garder les loups et avec Snake et les grenades de se rendre donner en fait la dernière fois qu'il a gagné. Et moi je continue à faire mes upper mais je n'ai pas à tuer, j'ai essayé de faire au top quoi. Il y a plus aussi qui est un bon mouvement de coup. Moi qui est bon en jeunesse pour être responsable qui a du mal pour Inner. Et qui est mieux bloqué sur la grenade, il va tout faire qui permet de tuer à 0 si j'ai été un bon mouvement. Je vais faire un peu de temps. Net, il commence à chercher kill, il s'en est pris et T4. Comme vous dites, au moment où tu as tiré un coup de la grenade, il a fait remise de soi pour avoir le bouquet et tu prends le temps de combattre la game. Il accepte pour l'espoir. Bactère, il reprend le contrôle du lève, il a loupé son opération. Un coup d'espoir loupé, ça pourrait pas être ça. Un pic. Il y a trop de sauvés à part des moches. On retourne sur le champ de bataille. Un matchup qui permet à Gamewatch de jouer avec un fer, mais à Snake de mettre des setups avec ses grenades et son T4. Il va commencer à faire des NR. Deux mères, un père. Le côté qui arrive à Nan maintenant. Il passe le passe sur Gamewatch. Bon, moi, il tire des explosifs, mais Gamewatch fait bucket, c'est trop dangereux. Le coup de Gamewatch. Le Dance Smash, il est pas safe quand il, mais le Up Smash est safe. Le Dance Smash, c'est une fois qu'il est blurry, il s'est enquêté très tôt. Le T4 qui est drop à droite. On a fait Eden. Il y a moins de ces deux bords de Snake, il arrive pas à briquer Fighter. Dot Smash, c'est pas safe. C'est du Dot Smash, il pourrait essayer de stopper avec les Dot Smash après.
c'est sûr que Snap est également qui en fait Snap. Le backer qui lui permet de se faire la routine. Ouais. Ok, en deux antennes. Aussi bien c'est nous. Bon, il tech. Ouais. Attends, bon. Il y a des soucis. Il y a un stack de bucket. Et le stack à tourner, il va se gratter pour faire un super yop-tick tout à l'heure. Il a juste à attendre maintenant. Il a juste frappé Gamos, il a Gamos déjà à l'approche. Gamos est très bien en défensif, très peu agressif. Gamos va essayer de frapper, il va essayer de se dégrader. Non pas de spot, on va juste en ending. Un autre qui a encore loupé, il est encore fini. Je vais faire des attentes pour Turin et enfin, pas de tout. Ça va lui rater des parcours pour son pote. C'est la seule qui tue, finalement. Là, c'est tout ça qui commence à se fermer dans cette attaque. Il est juste complètement content et pas en tout cas, il est en bout. Et moi, je suis pas avec un pocket, peut-être donc à deux pockets. Il a mis devant pour prendre là, comme il y a trois. Il y a même qui est pas en taille. Il y a deux stacks de buckets, le problème est que ça permet de tuer sa dernière fois. Il y a trois stacks de buckets. Il faut juste prendre test-spot, puis s'il utilise les buckets par la dernière, il peut gagner. Ça fait Karma à tout content. Un backer. Donc arrive à recover. Ici le fond de smash. 16. Ok, donc Gamos avec buckets, il peut tout à fait mon suivi. Il a son rapport bon. Mec qui met des bons pourcents avec un combo de grenade de 4. Du coup Gamewatch par contre ne peut plus s'étendre de bucket et c'est qu'il commence à spammer avec le disque qui lui donne un avantage quand il arrive à rester à distance. Et puis Gamewatch arrive à briser le train, il peut peut-être gagner son interaction. Ok, il survit. Il a T4 sans défendre de boss, T4 activé. Du 3%, du bucket qui est pas lancé. Un T4 posé. Gamewatch en pression mais il peut gagner ses interactions à tout moment. Du bucket qui a été lancé dans les vides. Il y a même beaucoup plus dur pour Gamewatch. F-Kick, S-Board de Snake, Nita, S-Board, Trap, et F-Kick qui tue.